Vous allez nous présenter notre invité vedette de cette semaine. La promotion Les enfants à la superstation Tim Hortons, il s'agit d'Alexis Haché. Bonjour Alexis. Allô. Comment ça va? Bien. Moi, j'en reviens pas de voir cette jeune fille-là, tout souriante en ce vendredi matin. Réveillée. Il n'y a pas d'école pour les jeunes de la région Chaleur. Ben voilà. Ouais. Est-ce que tu es toujours réveillée comme ça, resplendissante à tous les matins? Non. Des fois, je me réveille... Parce que je suis fatiguée, puis l'école, ben... Ça te tente pas. Ouais. Ça te tente pas, mais t'es une petite fille qui est très impliquée à l'école. Oui. Qu'est-ce que tu fais à l'école, à part les cours, là? Je fais le conseil étudiant, je fais le resclage, le comité de resclage, puis je pense que c'est ça, là. T'es beaucoup impliquée comme oui. ça? Oui. C'est important pour toi de t'impliquer comme ça à l'école? Ben, moi, j'aime vraiment ça, être impliquée à l'école, parce que j'adore l'école, ça fait... Qu'est-ce que tu fais comme activité, comme sport? Je fais de la danse. OK. Ça fait longtemps? Ça fait depuis 3 ans. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a une danse en particulier que tu aimes plus qu'une autre? J'ai fait comme pas mal toutes. J'ai fait comme le jazz, j'ai fait le théâtre musical, j'ai fait le hip-hop. Mm-hmm. Puis jusqu'à maintenant, tout de suite, comme je fais le hip-hop, puis j'adore ça. OK. Bon, merveilleux. Tu es impliquée dans le sport aussi. Je sais que tu as déjà joué au softball. As-tu joué à la balle molle? Non. Non? Ah, OK, je pensais que tu avais joué. Maman dit oui, puis... Oui, j'ai joué. Mais tu ne joues plus maintenant. Non, je ne joue plus. Okay. OK. Mais là, tu aimes courir aussi. Oui. Tu as fait quelques activités cet été, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le 5000 Chaleur. Wow! Après, j'ai fait la course des couleurs. Ah, oh, ça, c'était à Chipagan? À Caraquet? Ou à Tracadie? À Caraquet. OK, moi, j'étais pas à bonne place. Puis aussi, j'ai fait un Move Challenge. Ah oui? Ça, c'était vraiment le fun. T'as monté toutes les structures? Non. Il y a une coupe que t'as cernée, là. Ouais. Ah, ben, moi-même, j'ai pas fait toutes les structures. OK. C'était haut. C'était haut, oui. Pour ce qui est des courses, 5 km, t'aimes ça? Oui. C'est pas trop pénible pour toi? Non. Est-ce que tu t'entraînes? Ben oui, mais comme je m'entraîne des fois, pas souvent. Pas souvent. Est-ce que tu as l'intention d'en faire d'autres, des courses comme ça? Oui. Okay. Ah, mais c'est la piqûre, hein, quand son père court. Alors, ça aide. Hein, Voilà, c'est ça. Et donc, à l'école, tu es beaucoup impliqué, conseiller étudiant, le recyclage. Est-ce que tu te rends compte que tes autres amis savent quoi faire dans le domaine du recyclage? Est-ce que c'est important pour les jeunes, pour vous autres? Ouais, on va dire. Ben mais il faut le faire. Ouais. C'est ça. Que, quand on le fait 3 fois, on a une récompense qui est des bonbons. Ah! OK, on vient de comprendre. Je savais qu'il y avait quelque chose. Ben, c'est un incitatif. C'est ça que ça prend. Oh, tu vas nous présenter la chanson que tu as choisie. Oui, Loin des vagues. De Joey Robin Haché. Tu le connais personnellement? Ben non, j'ai jamais vu, sauf que je le connais. Tu le connais un petit peu? Je pense que c'est le parenté du côté de ton père. On écoute ça, puis on est de retour à notre promotion Tim Horton, des enfants à la superstation. Voici Loin des vagues. Sortie pour éloigner mes pas, je m'invente des souris, des masques pour faire semblant, des cravates pour trahir mon sort. Les étoiles se perdent dans le smog, loin de chez moi. Loin des vagues, on perd
cigarette à la vitesse de l'argent. On se noie dans les horaires au bout du trafic. La mort nous attend. Les gratte-ciels se lamentent aux fumées des usines, au rythme des machines. On roule sans frein sur la pente. Le temps file et je lâche le volant en espérant que tout redevienne comme avant. Auto Amigo de Petit Rocher jusqu'à 8 heures dans le cadre de cette semaine de la PME. L'équipe de pièces d'auto Amigo de Petit Rocher est composée de 3 employés. On leur souhaite de passer une très belle journée. Les enfants à la superstation Tim Hortons, c'est Alexis Haché qui est avec nous, qui est en 4e année, 9 ans, première année au domaine étudiant de Petit Rocher. Comment tu trouves ça? Est-ce que ça a été difficile de s'adapter? Non. Pas du tout? Pas du tout. Parce que là, vous êtes avec les plus grands au lieu d'être avec les plus petits. Tu sais, on est encore avec nos amis, ça va. Ouais. Parce qu'au tournesol, t'étais les plus vieilles. Vous étiez dans le groupe. Là, on est les plus jeunes. Les plus jeunes. Mais ça dérange pas. Non. Tu t'es bien intégrée. Oui. Oui, bien contente d'être là. Puis là, vous vous préparez pour la fête de l'Halloween, là. Oui. Ça s'en vient. Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé? Je sais que tu peux pas tout dire parce que c'est secret, là, hein? C'est secret. Tu peux pas nous dire grand-chose. Non. Ton costume, c'est quoi? Est-ce que tu peux le dire? En bébé. En bébé. Avec la couche, puis... Non. Pas de couche? Juste avec un biberon, une 6. OK. Puis il y avait un pyjama tête de bout. OK. Quelle couleur ton pyjama? Ben, c'est... Il est violette avec des Hello Kitty, là. Oui. Des chats, là. Ouais. Ah, ça va être agréable. Ouais. Mais vous allez avoir une fête pour l'Halloween à l'école. Oui. Fait que tu travailles là-dessus, étant donné que tu fais partie du conseil étudiant. Oui. Ah, super. Les souhaits d'anniversaire. Oui, en ce 21 octobre, je pense que je vais laisser Alexis y aller avec... Oui. Oui. Okay. Bonne fête à ma sœur Nathalie Boivin, enseignante à l'Université de Bathurst. Bonne fête de ta sœur Joanne de Grand-Mère au Québec. Et toujours pour Nathalie Boivin? Bonne fête, Nathalie. Notre petite sœur prend 1 an de plus. Bisous de tes sœurs, Joanne et Marlène. Bonne fête, Nathalie, de toute la famille Larcourse de grand-mère au Québec. Et bonne fête à notre boss bien-aimé. Passe une excellente journée avec beaucoup de gâteaux. Ben alors, moi, je souhaite une bonne fête, Nathalie, ben oui, en même temps. Hein? Certainement. Chloé Saunier, c'est également son anniversaire. Bonne fête, Chloé Saunier. 8 ans, passe une très belle journée à l'école avec tes amis de papa, maman et Ariane qui t'aiment beaucoup. Madame Linda Roussel, bonne fête. Nous vous souhaitons un excellent vendredi. De la part de tes collègues et des élèves de l'école CSC La Fontaine de Négouac. On aimerait souhaiter bonne fête à la future fonds de pension et nous lui souhaitons une belle journée entourée de ses amours. Zita Lausier de Carole et Louise qui l'aiment beaucoup. Alors on peut comprendre qu'elle va prendre sa retraite bientôt. Et bonne fête à Zita Lausier de Beresford de la part de Rayane, Gina et Dani.
C'est votre anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite de passer une très belle journée. Est-ce que tu aimerais faire des salutations ce matin, Alexis? Oui. Elle est bien préparée. Oui, elle est arrivée avec son petit cahier, là. Oh, mon Dieu. Alors, on t'écoute. J'aimerais dire bonjour à Sarah, Elsa, Laurence, Léane, Gabrielle, Ariane, Audrey, Amélie, Chloé et tous mes autres amis qui m'écoutent en ce moment, ma famille et toutes les personnes du domaine étudiant de Petit Rocher. Wow, ah, c'est est-ce bien. Est-ce qu'on a une petite phrase, Mme Landry? Oui, hey, c'est vrai, la petite phrase. Vous avez ça, non? Oui, j'ai ici. Bon. À partir de où c'est en rose, là? OK. Ici, en direct de la Superstation, je remercie les Tim Hortons de la région Chalard de m'avoir permis de vivre cette belle expérience radio. Et expérience radio que ton frère a vécu également il y a quelques années passées, qui est avec nous en studio. Trois ans passés. Ben, on s'en souvient parce qu'il était amateur de Lego. Lego. Oh, oui. Oui, on avait eu bien du plaisir. Il s'appelle comment ton frère? Vincent. Okay. Vincent. On s'en souvient, ça nous avait Oui, ben, le visage me disait quelque chose, mais Vincent, il a vieilli. Là, il est rendu à 12 ans, Vincent. Oui. Parfait. Puis il a décidé d'accompagner sa sœur. Ben oui, comme toute ta famille est là. Trois ans passés, il l'avait accompagné pour cette belle expérience radio. Ouais. Ben Alexis Haché, merci beaucoup de ta visite. On a une belle carte cadeau de 25 $, gracieuseté de Tim Hortons. C'est à toi. Merci. On a mis sa photo d'ailleurs sur notre site Internet. Oui. Allez voir ça. Et puis, en plus de la carte cadeau de 25 $ de Tim Hortons, Alexis a choisi également un beau livre, un beau roman pour jeunes, Zoélie Lallumette. Alors, merci de ta visite. Bienvenue. Bon congé. Oui, merci. Qu'est-ce que tu as décidé de faire aujourd'hui, là, comme congé? Je pense que je vais inviter des amis. Ah, okay. C'est le fun. Est-ce qu'il y a un autre petit frère, une autre petite sœur dans la famille, là? Non. Non, OK. Non, fait qu'on... La famille est passée au complet, là. Non, papa, il dit non, c'est tout. Merci beaucoup, Alexis Haché, de ta visite. Et merci à toute la famille de vous être présentée en studio avec nous. C'était fort agréable. Merci beaucoup. 7h26, le sport régional s'en vient dans un instant.